الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا أمر المعجزة وقلنا هي أمر خارق للعادة يأتي على وفق دعوة من ادعوا النبوة سالم من المعارضة بالمثل. Alors on a parlé déjà dans les deux leçons précédentes au sujet du miracle. On a dit c'est un acte hors commun, ou on dit c'est un acte extraordinaire que Allah Ta'ala donne à celui qui prétend qu'il est un prophète pour le soutenir et pour appuyer sa parole. Et ce miracle, personne n'arrive à le stopper ni faire quelque chose pareil. Parce que si on peut le stopper ou faire quelque chose pareil, ça veut dire que ce n'est pas un miracle puisque les autres ont pu faire comme lui. Et lorsqu'on a dit, il appuie, il confirme son appel, c'est-à-dire par exemple s'il dit, voilà, je suis un prophète, la preuve que je suis un prophète, que cette pierre va témoigner pour moi. Alors supposons, la pierre a dit, oui, tu n'es pas un prophète, tu es un menteur. Alors ce n'est pas un miracle, pourquoi? Parce que même si la pierre a parlé, et c'est un acte hors commun, mais il a contredit ce qu'il dit. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a proposé un bédouin, il lui a dit tel arbre témoigne pour moi, et le prophète a appelé l'arbre et l'arbre est venu en labourant la terre. Il a dit ô arbre, qui suis-je? Et l'arbre a dit en arabe littéraire ashhadu annaka la rasulullah, je témoigne que tu es le messager de Dieu. Suite à ça, après, le bédouin a témoigné. On dit que c'est un acte hors commun, extraordinaire, qui appuie le prophète par son appel. Et le rôle, le poids du miracle, c'est comme Allah nous dit, il est véridique, suivez-le. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'Allah Ta'ala donne un miracle à un menteur. Maintenant, à notre époque, on utilise souvent le même miracle. On a fait une opération un peu difficile. Ah, il a eu un miracle. L'opération a réussi. Quelqu'un qui est tombé de troisième étage, puis il y a un camion de sable qui a passé et il n'est pas mort. Ah, il a eu un miracle aujourd'hui. Et même si des choses étonnantes, on ne dit pas ça, c'est un miracle. Même les prodiges des saints, des pieux des saints, comme la Sainte Marie, lorsque Zacharie rentre chez elle, elle trouve les fruits d'hiver en été, les fruits d'été en hiver. On dit c'est un prodige, parce que la Sainte Marie n'était pas un prophète, était une femme pieuse. Alors ça s'appelle prodige. Alors on ne dit pas pour un acte comme celui-là, c'est un miracle. C'est un acte hors commun qu'Allah donne au prophète, afin que les humains distinguent entre un prophète et un menteur. إذن دور المعجزة هي أن يميز الخلق ويعرف النبي من مدعي النبوة. لولا المعجزة لكل واحد قال لكثير ادعى أنه نبي. S'il n'y avait pas le miracle, n'importe qui, il dit ah, je suis un prophète. Dieu m'a envoyé pour vous. Vous devrez me suivre. Allah vous ordonne. Allah vous interdit. Et d'ailleurs, on a beaucoup de sectes. On a vu en France, en Amérique, il y a des gens, n'importe qui, il dit « Ah, je suis un prophète ». Et même nous au Liban, on a eu des gens comme ça qui disent, puis après on a trouvé qu'ils travaillent avec certains polices secrets, voilà. Alors, le miracle, c'est pour savoir le prophète de celui qui ment. Et d'ailleurs, la prophétie est clôturée par le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Dieu a voulu que il sera le dernier, il n'y a pas un prophète après lui, parce que sa communauté continue jusqu'à la fin du monde. Qu'il y aura toujours de cette communauté des gens sur la vérité qui prêchent la bonne croyance, l'islam, comme ça a été révélé, sans falsification, malgré qu'il y a des gens qui ont sali l'image de l'islam, qui ont fait du mal ou qui ont fait tort au nom de l'islam, Daesh, Nusra, Qaïda, tous ces sectes-là, tous ces criminels-là qui ont tué au nom de l'islam en disant c'est le djihad, et on sait très bien que c'est des criminels. Mais c'est une petite minorité, et si des fois on dit voilà, c'est des minorités, et qui est derrière? Et qui est derrière? فإذن أما السحر لا يقال عنه معجزة. La sorcellerie, c'est pas un miracle. La sorcellerie, voilà, celui-là, David Mackerfield, n'est-ce pas? C'est un grand sorcier.
Mais c'est possible qu'il y a un sorcier qui fait comme lui ou plus que lui. Alors tu vois, il peut le contrarier, il peut faire plus que lui. Alors on ne dit pas c'est un miracle. Malgré qu'il y a des fois des choses étonnantes. Nous, on ne comprend pas comment il a fait, comment il a exercé. Mais la sorcellerie, c'est quelque chose qu'on peut le stopper, qu'on peut le contrarier. On peut faire quelque chose de plus que lui. Alors, il ne faut pas dire pour la sorcellerie, c'est un miracle. Alors, je vous donne un exemple au sujet des miracles. Lorsque Moussa a été envoyé à Pharaon, et Pharaon a voulu voir un signe, Moïse a lancé un bâton, et le bâton est devenu un grand serpent. Tu vois, et Pharaon, lorsqu'il a vu cet aspect, il a eu très peur, il a été aux toilettes plusieurs fois. Et il a fait sortir sa main de sa poche, il a fait sortir sa main, c'était sa main très blanche comme une partie de la lune. Et c'était un grand miracle, avec d'autres. Ça, c'est parmi les miracles que Allah Ta'ala a donné à Moïse. Et personne n'a pu faire comme... Même Pharaon, il a appelé les sorciers, pas les sorciers, les chefs des sorciers dans l'Égypte et environ. Ils sont venus 60 ou 70. Mais il y a eu une discussion avec Moussa. Il a dit que si vous trouvez que ce que je fais n'a rien à voir avec la sorcellerie, il ne faut pas mentir. Parce que vous êtes les chefs de ce métier qui est la sorcellerie. Et vous allez maintenant vous penser, on vous a dit que je suis un sorcier. Mais comme vous êtes les gens qui maîtrisent ce domaine, vous allez voir que ce que je fais n'a rien à voir avec la sorcellerie. Il ne faut pas mentir par la suite. Si je vous montre que je suis véridique, que je suis un prophète messager, il y a un Dieu créateur, et ce n'est pas Pharaon, n'est pas un Dieu, ce n'est qu'une créature. Et le chef de ces sorciers était un homme sage, il a eu une certaine discussion avec Moussa sur cette affaire-là. Et Moussa a choisi un jour du fait, il y avait beaucoup de monde, exprès pour que les gens voient. Et les sorciers, ils ont lancé leur corde, leur bâton, ils ont vu des serpents qui bougent. On dit qu'ils ont utilisé la mercure avec le soleil, ils ont fait une grande sorcellerie. Et les gens, ils ont influencé les regards des gens, les gens voyaient des serpents. Mais Moussa, lorsqu'il a jeté le bâton, il est devenu un vrai serpent. Et il a avalé tout leur corps, tout leur fil, tout leur bâton, tout leur corde. Et leur sorcellerie était annulée. Alors qui a cru en Dieu et s'est prosterné pour Dieu par la suite? Tous les sorciers. Tous les sorciers, ils ont dit on croit en Dieu de Moussa et Haroun. On croit en Dieu de Moïse et Haroun. Et ils se sont prosternés pour Dieu. Et Pharaon était dévoilé, il y avait beaucoup de monde. Il a dit comment vous allez croire? Vous avez cru à ces deux personnes-là avant ma permission? Je vous tue. En coupant la main droite, pied gauche ou l'inverse. Et c'était le premier qui a initié une telle manière de tyrannie et de tuer de cette manière. Et ils ont dit, tu nous prives de ce bas monde, tu nous prives de ce bas monde, mais on aura l'au-delà parce que Moïse, il leur a parlé du jour dernier, de l'au-delà, du paradis. Et on espère qu'Allah nous pardonne ce qu'on a fait parce que tu nous as forcés à faire la sorcellerie. Et il les a tués, mais il les a tués en étant quoi? Des grands croyants, des grands martyrs, parce qu'ils étaient tués injustement. Alors ça, c'est un miracle. إذن المعجزة أمر خارق للعادة يأتي على وفق دعوة من ادعى النبوة لا يمكن معارضته بالمثل وهؤلاء السحرة بزمن موسى لما ألقوا العصي الناس ظنوا أن هذا صار أن الحبال والعصي صارت أفاعي ولكن هي ليست كذلك إنما سحروا أعين الناس. أما موسى لما ألقى العصا صارت ثعبانا حقيقيا وابتلعت كل حبال هؤلاء السحرة وعصيهم وبطل سحرهم فدخلوا في الإسلام آمنوا بالله لأنهم رأوا أن الذي فعله موسى ليس له علاقة بالسحر. Les sorciers ont embrassé l'islam parce qu'ils ont vu ce qu'il a fait Moïse n'a rien à voir avec la sorcellerie. Un être humain, il ne peut pas transformer un bâton en serpent, même si tu vas utiliser ce que tu veux utiliser. On ne peut pas transformer un bâton en un être vivant réel. Alors c'est pour cela qu'ils ont cru que le créateur de Moussa a créé le bâton comme serpent. Ce n'est pas Moussa qui a créé. Et la même chose, on dit pour Jésus. Jésus n'a pas créé
la guérison pour celui qui est né aveugle ou celui qui avait la maladie de la peau, la vitiligo, n'a pas créé la vie pour celui qui est mort. C'est Allah qui a créé, mais Allah Ta'ala a donné à Jésus ces miracles qui concernent un petit peu le domaine de la médecine, parce qu'au temps de Jésus, et la médecine était très forte, mais on n'est pas arrivé à ressusciter des morts, ni à guérir celui qui est né aveugle. Alors, les miracles de Jésus étaient là pour que les médecins disent « c'est un miracle, nous les médecins, on ne peut pas arriver à ce stade ». Comme c'était au temps de Moïse, que les gens qui connaissent la sorcellerie, ils étaient très nombreux et ils étaient là pour déduire que, et dire « non, ce qu'il a fait Moïse n'a rien à voir avec la sorcellerie ». Et le grand miracle du prophète Mohammed, c'était quoi? Le Coran, qui est le livre révélé en arabe. Oui, mais c'est un livre révélé en arabe, oui, mais... il y a un défi pour tous les Arabes. Les poètes et les grands discoureurs, et à l'époque, étaient très forts dans la langue arabe. Ils mettaient les jolies poésies sur la Kaaba même. Et certains, ils peuvent se mettre là, faire une poésie, 1000 vers de poésie sans faire une erreur, avec des rythmes très forts, très jolis. Mais ils n'ont pas pu faire comme le Coran, ni comme 10 chapitres, ni comme un chapitre. Un chapitre, c'est-à-dire une ligne. Et il y a un défi depuis le prophète Mohammed jusqu'à la fin du monde, que tous les humains ensemble, s'ils se réunissent, ne peuvent pas faire comme un chapitre dans le Coran al-Karim. Et par la suite, vous allez voir maintenant la science génétique. Lorsque le Coran parle de la science génétique, comment l'être humain commence à avoir place dans l'utérus de sa mère jusqu'à l'accouchement. C'est très chaud, c'est des choses étonnantes. C'est maintenant que nous, on a pu savoir, suite à la technologie qu'on a, mais le prophète, lorsqu'il a reçu la révélation, c'était 14 siècles. Certaines réalités de géographie, certaines réalités dans la chimie, certaines réalités dans la physique, certaines réalités dans la sonorisation, certaines réalités concernant les cieux ou la création de ce bas monde. Et c'est un livre révélé combien? 14 siècles en arrière. Et il traite dans tous les domaines de la vie, social, conjugal, héritage, mariage, avec l'ami, avec les voisins, avec l'ennemi, ainsi de suite. Et on ne trouve pas une erreur. Et il parle des anciennes communautés, il parle des choses dans le futur encore. Si c'est un livre fait par un être humain, vous allez trouver beaucoup d'erreurs, mais il n'y a pas. Mais il n'y a pas. Bon, ça c'est un miracle, on dit, c'est le plus grand miracle parce que c'est continuel. Parce que c'est continuel, il est toujours avec nous. Mais sinon, il a eu, par exemple, une fois, un compagnon l'a invité à manger pour 2-3 personnes. Le prophète Mohammed et 2-3 personnes. Et le prophète a dit à 1000 personnes de venir manger. Mais il a dit, ne touchez pas la marmite ni le pain. Et puis, il est arrivé, il a fait des invocations et il a soufflé dans la marmite et vers la pâte, et 1000 personnes à peu près ont mangé. Et lorsqu'ils ont terminé, la marmite est toujours pleine et les pâtes encore, c'est plus qu'avant. Alors voilà, maintenant vous avez compris qu'est-ce qu'un miracle. Et on dit pour les miracles, il y a certains miracles qui viennent avec un défi, et c'est les non-croyants qui demandent, comme la communauté de Saleh qui ont demandé qu'il fait sortir une chamelle porteuse d'une roche. Ils ont dit, si tu fais ça, on croit. Et Dieu lui a donné. C'est un prophète qui était avant Abraham et après Noé. Il s'appelle Saleh. Et la région de ces gens était entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Tu vois. Et ils ont une partie en cru, d'autres non. Puis après, ils ont tué la chamelle et par la suite, étaient exterminés. Et des fois, il y a des miracles qui arrivent sans que les non-croyants demandent, comme on vient d'expliquer que le prophète a invité les gens à manger un repas qui suffit à 5-6 personnes et ils étaient à peu près 1000 personnes qui ont mangé. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.